profite du travail d'Enzo Real pour pouvoir récupérer le ballon et lancer Brian Lame. Brian Lame toujours. Il va peut-être tenter de remettre le ballon à Abdel Jelissot qui est fait. Abdel Jelissot pour la frappe cadrée, la première de cette rencontre. Et d'ailleurs, l'Euro 19 en 2000. Elle n'est pas présente dans la surface, mais Kevin Malaga l'était par de Jérémy Mess. Ah, les occasions sont vraiment pour Cholet. Et Jonathan Mexique, pour la troisième fois de la rencontre, sur le rond de corner, et la tête de Malaga, claquée par Jérémy Mess. On ne pensait pas avoir un match dans le match opposant Malaga et Mess, mais avec la pluie qui fait son apparition à MM Arena, c'est bien le cas. Comme à l'instant avec Rémi Boissier. Et au Choletet d'en profiter. Nouveau gelon de la part de Keita pour Abdeljelil, le centre contré. Et MS qui est obligé de boxer. L'homme pour la frappe. Mais Jérémy MS est en feu ce soir. Même si c'est lui qui est à l'origine de cette petite erreur qui offre l'occasion à Cholet. Il va surtout priver Brian Lapp de son tout premier but en national dans sa jeune carrière. Par Romain Montiel. Victor Elissalt, la passe parfaite pour Afidi. Afidi qui n'ancre à son face-à-face devant Théo Guivarch. Et Victor Elissalt, le meilleur passeur de l'an dernier au national, tout proche d'offrir sa première passe décisive à la 31e minute. Le meilleur passeur de l'an dernier, attention, on revient au jeu quand même avec la frappe de Romain Montiel qui finit au fond. Il n'aura pas fallu énormément d'occasions au Manceau. Deux tirs cadrés en l'espace d'une minute pour aller mettre le feu à la défense choletaise et permettre à Romain Montiel d'inscrire son troisième but en 10 matchs, 1-0 pour Le Mans. Il aime bien aussi ce genre de configuration, mais aime surtout jouer au sol comme maintenant avec Abdeljelil. Il aura tout tenté pour mettre son but et pourtant l'angle fermé, le plus compliqué et peut-être celui qui réussit le mieux à ce garçon. L'un des meilleurs buteurs depuis le début de la saison va donc faire trembler le filet adverse pour la sixième fois Abdeljelil. Un but partout. La superbe combinaison avec Enzo Real. MS sera donc le dernier ballon joué dans cette première période. Un but partout entre Le Mans et Cholet. Et là le risque par contre pris par Rémi Boissier n'est pas vraiment payant. La récupération avec Rocheteau. Mexique, Mazikou. Le retour sur Mexique avec cette frappe contrée par Boissier. Comme en première période, les Monceaux ont du mal à en poser le pied sur le ballon, à avoir des occasions. Intéressant cependant ce ballon pour Rémi Boissier. Montiel pour le doublé et surtout l'arrêt qui marche pour remporter ce duel face à Romain Montiel qui n'est pas en jeu, couvert par Kevin Malaga. Ah, il aura fixé jusqu'au bout l'attaquant pour pouvoir sortir cet arrêt du pied opposé. Stéphane Vincent. Ouais, Philippe qui avait pu rejouer avec Montiel. Montiel, le ballon pour Stéphane Vincent qui frappe le poteau. Il était tout proche. Stéphane Vincent, d'enfin marqué en national. Il n'a plus marqué depuis l'été 2014 dans notre championnat. Il était tout proche. Il était pour cette très belle petite partie rencontre. Avec du tempo, du rythme face à Tom Duponchel. Très belle site toujours. Pour fixer, pour appliquer, pour frapper. La parade de Jérémy Mess. Et on s'arrêtera sur cette opportunité pour Hamza Afidi.